Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Petit blabla vlog pour vous dire que je suis toujours en vie. La rentrée approche, le stress aussi, je continue de perdre mes cheveux. J'ai plein d'examens médicaux à faire parce que franchement ma santé se barre en live. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Je fais un blabla vlog pour répondre à certaines questions que certaines personnes peuvent avoir ou pour aller au-devant de certaines sollicitations que vous pourriez avoir. Voilà, je commence à recevoir des messages de personnes qui me disent oui, voilà, tu prépares l'agrégation après le CAPES, je voudrais savoir. Comment dire? Bon, déjà, toujours merci de me contacter, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Malgré ma vidéo de l'autre fois qui. J'ai peur que ça ait fait fuir plus d'un. Enfin bref, non, non, c'est toujours un immense plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous. Alors, il y a dû y avoir un malentendu. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait une vidéo où je répondais à mes quêtes. Je crois que c'est fin février ou en mars, j'avais fait une vidéo où je parlais de mes quêtes et de mes projets après le CAPES. Et à la base, je voulais faire une demande de report de stage pour me consacrer à un master recherche. Bon, j'aurais prétexté que c'était pour préparer l'agrégation, mais bon, je voulais me consacrer à un master de recherche et pourquoi pas, sur le long terme, passer l'agrégation. Et j'ai refait derrière. Un correctif après le CAPES à froid. Hein. J'étais trop excitée avant et là c'est à froid. Non, déjà d'une, je n'ai pas. Voilà, ça n'a pas abouti pour le master recherche parce que le directeur de recherche m'a planté à la dernière minute. Puis au final, c'est pas plus mal. Sincèrement, pas plus mal quand je vois la dose de travail qui m'attend cette année. Et puis, je suis revenue sur mes ambitions. Je ne compte pas passer l'agrégation. Du tout, en tout cas pas avant très longtemps, ou alors en dilettante pour me rebooster si un jour je m'ennuie un petit peu. Mais sincèrement, ça n'est plus dans mes projets. Là, c'est un blablabla qui va être très personnel, où je vais vraiment faire que raconter ma vie. Je vais pas donner de conseils, je veux pas vous dégoûter, vous faire peur, ni vous motiver à le faire. C'est vraiment moi par rapport à moi. Concernant l'agrégation, je trouve ça magnifique comme objectif, comme challenge, c'est vraiment très beau, dans le sens où, bah oui, c'est un peu dans la continuité de la prépa, où on se donne à fond, on se crame le cerveau à apprendre plein de choses, on se pousse à l'excellence en fait. Mais voilà, je me suis inscrite à plusieurs groupes d'agrégation, déjà de base parce qu'il y avait deux œuvres en commun avec eux pour le CAPES, donc je me suis dit ça va me donner des informations. Et même si j'adore les discussions que je peux avoir ou que je lis sur ces groupes, que je trouve merveilleux, ces groupes en fait me font prendre conscience d'à quel point je n'ai pas du tout le niveau pour l'agrégation, mais vraiment pas. Là, il y avait deux filles qui parlaient entre elles de leur copie d'agrégation. Alors, t'as mis quoi pour le grand 3? Je comprenais même pas les termes utilisés dans le plan de la fille. Je comprenais rien. Ça avait l'air d'un niveau, mais pire qu'universitaire. Je veux dire, même à la fac, on fait pas des choses aussi complexes et aussi savantes. Je ne saurais pas comment expliquer. Donc j'ai beaucoup beaucoup d'admiration hein, pour les personnes qui préparent l'agrégation et qui l'obtiennent. Un grand bravo. Je n'ai pas du tout le niveau. Certes, j'ai fait une prépa. voilà, j'ai pas préparé l'ENS sérieusement, donc je ne saurais pas me situer, à part que je sais que j'ai pas du tout été admissible. Je sais plus si j'étais sous-admissible ou si j'étais vraiment très près de la sous-admissibilité. C'est pas important en fait. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai fait des études. J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Mais c'est vrai que après la CAGNE, rétrospectivement, je me rends compte que c'était fini pour moi. C'était fini pour moi parce que je n'habitais plus chez papa-maman. Mes parents ne pouvaient absolument pas subvenir à mes besoins. Voilà, moi je suis pas une fille d'eux. Donc, c'était fichu pour moi parce que dès que je suis arrivée à la fac, en troisième année de licence, il a fallu que je travaille pour subvenir à mes besoins, payer mon appartement et manger. Et en fait, à partir de la licence, je n'ai plus vraiment fait mes études sérieusement. Je ne pouvais pas. Parce que je travaillais énormément. Je vais pas revenir à cette période de ma vie où j'enchaînais 3-4 jobs en même temps. Bref, des semaines de fou, qui m'ont d'ailleurs laissé des séquelles psychologiques. Enfin bref. Donc j'ai. On va dire que mes vraies études littéraires se sont arrêtées à la cagne. Voilà, j'ai peut-être. Si je me booste un petit peu, j'ai peut-être un niveau cagne, mais un niveau cagne très médiocre, quoi. Pas un niveau cagne.
Fénelon, dans les trois premiers de la France. Non, non. Très modeste niveau en littérature et un niveau qui s'est perdu. Voilà, j'ai passé 8 ans en entreprise, ça je l'ai déjà dit, je leur dis. Et ces 8 ans ont laissé, enfin, ces 8 années ont elles aussi laissé de terribles séquelles hein, sur mon esprit. Déjà au niveau des connaissances, ça c'est une chose, mais si vous voulez, les connaissances, voilà, il suffit de bachoter. Et ça va, si vous voulez, c'est comme un sac, on peut le remplir jusqu'à ras-bord. Ça, c'est pas un problème de remplir le sac. Le problème, c'est bah, c'est l'adage de Montaigne hein, que j'aime bien utiliser, mieux vaut tête bien faite que tête bien pleine. Ah, c'est dommage, parce que moi, me remplir la tête, je sais faire, mais ma tête n'est pas bien faite, sincèrement. La dissertation, j'ai bataillé pour la faire, ma dissertation sur Perrault. J'ai énormément de mal à structurer ma pensée. J'ai une pensée extrêmement éclatée, pas du tout méthodique. Je suis pas quelqu'un de carré, je suis quelqu'un d'un peu foufou, un peu artiste. Mes écrits partent dans tous les sens. Et autant peut-être que pour le CAPES, on peut réussir à donner le change en écrivant, mais extrêmement bien, en ayant des arguments solides, des exemples solides. Et puis en ayant de bonnes connaissances, et puis une analyse à peu près fine des œuvres, on peut réussir à donner le change. Autant pour l'agrégation, ça ne suffit pas. Il faut savoir faire une dissertation, une vraie dissertation, montrer qu'on sait penser, qu'on sait réfléchir, qu'on sait trouver une problématique efficace, un plan efficace qui ne tourne pas en rond. Voilà, on ne peut pas tergiverser comme moi j'ai tergiversé sur ma copie. Il faut le mot juste, la phrase juste, l'idée juste, au moment juste et que ça s'enchaîne. Voilà, moi j'ai lu quelques copies hein, d'agrégation parce que les personnes ont eu la gentillesse de les partager. C'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est-à-dire que même avec des heures et des heures et des jours de travail, je ne me vois pas complètement restructurer mon cerveau pour réussir à réfléchir de façon aussi cartésienne, aussi carrée, aussi précise. Voilà. Si vous voulez, c'est vraiment, en tout cas, pas ma portée tout de suite. C'est sûr. Mon cerveau est trop dans le vague, dans le flou, dans voilà, c'est le vague des passions. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que bon, voilà, admettons que je m'applique la méthode que je me suis appliquée pour le CAPES, hein, avec les poupées russes, avec le picorage, avec toutes les techniques que j'ai mises en place pour le CAPES, quand bien même je ferais ça, ce qui me manquera pour l'agrégation, c'est vraiment, bah, limite une chirurgie esthétique du cerveau, quoi. Ah non, mais moi je peux pas lire autant de livres, comprendre autant de livres, mémoriser autant de livres. Déjà cette année, ça n'était que 4 et ça a été un challenge. J'ai dû sacrifier Baudelaire en me disant Baudelaire, j'irai au talent. 6 maintenant pour les nouveaux candidats au CAPES. Même moi, je me dis, enfin, 6, ça aurait été très compliqué. Mais alors là, l'agrégation, je sais plus combien ils en ont, 8, 8, 9 ou 10, je ne sais pas. Bref, ça n'est pas envisageable pour moi en ayant en plus des classes à côté. C'est-à-dire que là, l'année que je viens de passer, j'étais au chômage. Je n'avais que ça à faire du matin au soir. Et encore, j'ai des très très gros problèmes de concentration. Je pense pas que ce soit le TDAH non plus, mais je ne peux pas me concentrer très longtemps, c'est très dur. C'est-à-dire que il y a des jours où je faisais 7-8 heures, mais c'était très très rare, hein. J'étais bon, du matin au soir, j'étais à mon poste de travail entre guillemets, mais voilà, je vivotais, mon esprit s'en allait. Des fois, je faisais une pause, je jouais, je giguais comme une teubée, je me mettais un épisode pour décompresser. Bref, voilà, c'était pas 8 heures par jour non plus, malheureusement. Donc, j'avais tout mon temps. Et l'agrégation, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire que là, je vais être prof. Je serai prof, donc à partir de l'année prochaine, 18 heures par semaine, 4 classes. Si je reste en lycée, ça me fait peur, hein. Si je reste en lycée, corriger 35 à 40 copies quasiment toutes les semaines, sachant qu'une copie de lycée, tu mets entre une demi-heure, trois quarts d'heure, parfois une heure à la corriger. J'ai calculé que j'allais à peu près travailler entre 50 et 75 heures sur les semaines les plus remplies, en fait. Dans les années à venir, du moins les premières années. Je vais travailler, ce sera pas en dessous de 40 heures, c'est sûr, parce que voilà, moi au niveau de mon organisation de travail, je suis très très lente, je suis
pas très bien organisée malgré tous les conseils que j'ai pu vous prodiguer. Je procrastine beaucoup, j'ai du mal à m'y mettre et puis voilà, moi, je m'éparpille énormément. Je commence une chose, je vois une info, je fais « Ah oui, il faut que j'aille vérifier ça » et en vérifiant ça, « Ah mais je vais lire ce texte-là » et quand je lis ce texte-là, « Attends, il faut que je ressorte mon carnet pour noter telle chose ». Je ne sais pas me concentrer sur une seule tâche. C'est vraiment feu d'artifice, carnaval, c'est vraiment le bazar dans ma tête, clairement. Donc tout ça fait que je n'ai pas la disposition d'esprit pour passer l'agrégation. Donc je ne passerai pas l'agrégation, en tout cas pas avant de très très longues années. Voilà. Aussi, il faut vous dire une chose, c'est que j'ai eu 15 à l'écrit. Et puis 14,5 on va dire de moyenne à l'oral, hein, j'ai eu 15 et 14, qui sont des notes qui peuvent vous paraître extraordinaires. Et oui, hein, je ne dévalorise pas dans le sens où ce serait irrespectueux pour les personnes qui n'ont pas eu des bonnes notes. Mais il y a eu tellement de personnes qui ont de meilleures notes que ça, d'une part. D'autre part, là je ne sais pas trop, je ne sais pas hein, si c'est, je sais pas comment ça s'est passé la correction. Mais moi j'ai passé le troisième concours, alors je pense, je ne suis pas sûre, hein, mais je pense que j'ai été notée par rapport au candidat troisième concours et pas par rapport au candidat externe. Si j'avais été notée par rapport au candidat externe, ma copie aurait peut-être eu 11 ou 12, je ne sais pas en fait. J'arrive pas vraiment à savoir ce que je vaux, parce que quand je lis ma copie et quand je lis des copies à 16, 17, 18 et même une 19, je me dis waouh. Comment j'ai fait pour avoir 15? C'est pas pensable en fait. Ma copie est tellement fragile par rapport à elle. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était un merveilleux accomplissement pour moi, avec mon petit niveau, mes 8 ans en entreprise, mon cerveau qui est tout en bazar, mes difficultés de concentration, c'était déjà énorme. Quand je vois le stress que j'ai traversé, quand je vois la fatigue dans laquelle je suis aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir envie de me réinfliger ça un jour, très sincèrement. Donc voilà, je réponds déjà que l'agrégation, je pense que ce sera un doux rêve, mais qu'il ne restera qu'un rêve. Et puis voilà, franchement, en toute modestie, voilà, faut savoir se retirer. Voilà, le challenge est trop immense pour moi pour l'instant. J'ai l'impression en fait que l'agrégation c'est un petit peu Excalibur dans son rocher. Je suis devant, elle me tente bien, mais je sais très bien que je suis pas la reine de Bretagne et que si j'essaie de tirer dessus, elle sortira pas du rocher. Donc pourquoi se donner la peine de se donner en spectacle, entre guillemets, de perdre énormément de temps et d'énergie pour un concours que je sais que de toute façon pour l'instant je n'aurai pas le niveau pour l'avoir. Voilà. Le latin, n'en parlons pas. L'anglais, bon, j'ai un niveau anglais Netflix series, sinon version anglaise, c'est même pas la peine de m'en parler. Latin, anglais, ancien français, tout ça c'est exit, j'en ai pas fait depuis 10 ans. Faudrait que je reprenne tout à zéro, toute seule comme une grande. Je me sens pas capable. La grammaire, n'en parlons pas. Moi j'ai un niveau grammaire première. J'ai un niveau grammaire niveau bac, pas plus, franchement. Quand je vois dans certaines copies la négation machin, des mots, des seins, enfin, des termes très 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 techniques, quand vous voyez que des fois je vois une forme verbale, je sais même pas comment elle s'appelle, d'ailleurs le jour du CAPES on m'a demandé je vois la lune qui va choir, quelle est cette forme verbale, je n'ai pas su répondre, voilà, j'ai honte, aujourd'hui je le dis, j'assume, je ne sais pas, je crois que c'est du futur dans le présent. Et la dame, elle a fait non de sa tête. Donc si c'est pas le futur dans le présent, je vois pas ce que c'est. Voilà, donc la grammaire, on oublie. Au secours. Si j'avais 2 ou 3 ans de ma vie en entier à ma disposition, peut-être. Mais en travaillant, non, ce n'est pas possible. Voilà, donc j'en profite. Pour finir sur une note positive, toutes les personnes qui souhaitent passer l'agrégation alors qu'elles viennent juste de sortir du CAPES et qu'elles vont avoir leur classe à la rentrée, je vous admire, je vous dis un immense bravo et je vous souhaite absolument toute la réussite possible et tout le courage possible, c'est merveilleux, c'est voilà, admiration totale, respect total. Mais pour ma part, ça n'est pas une aventure que je souhaite mener pour l'instant. Je préfère aussi prévenir parce que si les personnes continuent de suivre la chaîne en se disant « Bon, elle vient d'avoir le CAPES, peut-être qu'elle va, faire la grègue après, moi je veux faire la grègue, je vais la suivre. » Non, désolée,
Désolée, ne restez pas abonné à cette abomination, sachant qu'il n'y aura pas de contenu agrégation. Voilà. J'en suis désolée. Je vous souhaite bonne chance, bon courage et à très bientôt!